Comme je te le disais tantôt, ton cerveau, c'est ton plus grand actif. Voilà pourquoi il faut que tu investisses en toi-même. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. C'est quoi dépenser son argent intelligemment, ma personne? Ma personne, dépenser son argent intelligemment se résume à trois choses. Dépenser moins que ce que tu gagnes, dépenser en investissant sur toi-même et dépenser dans les actifs et non dans les passifs. Dépenser dans les actifs, c'est quoi? C'est dépenser dans un bien qui te permet de gagner encore plus d'argent. Malheureusement, la plupart des gens dépensent dans les passifs. Un passif, c'est quelque chose qui te fait perdre de l'argent. Exemple d'actif, un bien immobilier que tu mets en location. Exemple de passif, un téléphone. Tu sais, ma personne, comme je te le disais tantôt, ton cerveau, c'est ton plus grand actif. Voilà pourquoi il faut que tu investisses en toi-même. Donc, même quand tu as ton argent, il faut toujours que tu prévois un budget pour t'éduquer au quotidien. Moi, par mois, je dépense au moins 10% de ce que je gagne dans les livres et les formations. Oui, ma personne, parce que je sais que si je mets 1 million dans ma tête, ça va ressortir. C'est pour ça que j'ai rejoint Simon Ouedraogo lorsqu'il dit que il faut arrêter d'aller à l'école et commencer à s'éduquer. Non, n'arrête pas les études. C'est possible de faire les deux, tu vois. Et l'éducation, la vraie éducation coûte cher. Donc, éduque-toi en parallèle de tes études. Parce que à l'école, on nous apprend comment devenir un employé. Mais si tu veux savoir comment faire de l'argent, c'est à la maison. C'est pendant tes moments libres que tu apprends comment faire de l'argent à personne. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils ont une intelligence financière qui n'est pas assez développée. Et Ricardo Kanyamaba Musk a dit que pour beaucoup d'entre nous, notre intelligence financière est arrêtée à celle d'un bébé. Pour ça, il raconte une petite expérience. Imaginons un bébé qui a faim et tu viens, tu lui proposes deux choses. Un billet de 10 000 francs et une banane. Il est fort probable que le bébé de 3 ans qui a faim prenne la banane. Parce qu'il n'est pas conscient du fait qu'avec le billet de 10 000 francs, il peut acheter même 3 régimes de bananes pour pouvoir ne plus avoir faim même pendant un mois. Malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui raisonnent comme ça. Qui en fait, lorsqu'ils ont des choix judicieux à faire, font des choix qu'ils croient judicieux alors que ce sont des choix catastrophiques. Par exemple, lorsque tu décides de dépenser ton argent pour les satisfactions immédiates qui vont te coûter beaucoup plus cher plus tard, plutôt que de te sacrifier maintenant en investissant ton argent dans un business qui pourra te rapporter beaucoup plus d'argent plus tard et donc de jouir le plaisir beaucoup plus grand plus tard. Depuis que j'ai pris conscience de ça, ma façon de dépenser mon argent a totalement changé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime bien la sape, les fringues, les petites sorties, les petits machins, trucs. J'adore ça. Ça va faire 3 ans que j'ai mis tout ça en pause pour construire mon indépendance financière. Parce qu'une fois que je serai indépendant financièrement, je pourrais me procurer tous ces trucs et plus encore. Moi, j'aime bien mettre les chaussures bien, tu vois. J'aime bien me zangoli comme disent les frères Burkinabés. Mais ça va faire 2 ans aujourd'hui que je ne me suis pas acheté de nouvelle paire de chaussures. Pourquoi? Parce que tout mon argent part dans mon éducation. Tout mon argent part dans mes business. En attendant que mes business deviennent suffisamment gros. Parce que les riches ne dépensent pas leur capital, ils dépensent les bénéfices. Quand un riche veut acheter une voiture de luxe, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son argent et il investit dans un business. Et c'est quand le business génère suffisamment de bénéfices qu'il utilise ses bénéfices pour acheter une voiture de luxe. Que font les pauvres? Les pauvres, quand ils veulent acheter le dernier téléphone à la mode, ils s'en battent, ils travaillent dur. Une fois qu'il a gagné tout l'argent de son dur labeur, il prend tout cet argent pour se récompenser de son dur travail. Il part donner pour acheter le téléphone. Et après, il retourne travailler dur. Un téléphone qui dans 6 mois sera démodé. Il faudra
recommencer encore et encore jusqu'au jour où il va perdre son boulot et il n'aura passé son temps qu'à accumuler des passifs. Ma personne, très peu de gens ont conscience du fait que c'est le pire moyen de dépenser son argent. Toi, tu as la chance de regarder cette vidéo et tu as la chance de prendre conscience de cet état de choses. Passe à l'action, ma personne. Dépense moins. Dépense dans les actifs et investis en toi-même. Ma personne, dépenser son argent intelligemment et réussir à créer une source de revenus en parallèle de son activité principale, c'est un excellent moyen pour atteindre l'indépendance financière. Pour que tu comprennes mieux l'importance de pouvoir générer une source de revenus différente, je m'avais raconté une petite histoire. Nous sommes au lendemain des indépendances en RDC et il y a une grosse société qui voit le jour en RDC. La société en question s'appelle la GKMIN. Cette société est réputée pour être le boulot de rêve parce que la société en question met ses cadres au petit soin. La société prend en charge la maison de ses cadres, l'alimentation de ses cadres, même les soins de santé, ma personne. La GKMIN prenait en charge tout ça pour ses cadres. Dans ces cadres, comme ils se sentaient comme des privilégiés, ils se sont dit que cette situation devait être éternelle, que ça ne pouvait pas changer. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis dans ce confort et ils ont dépensé tout l'argent qu'ils gagnaient dans des biens de consommation sans jamais penser à construire eux-mêmes leur propre maison, sans jamais penser à mettre en place leur propre business, sans jamais penser que un jour tout ceci pouvait s'arrêter. Donc une décennie plus tard, ce qui devait se produire se produisa. Eh bien, la GKMIN a eu de gros soucis économiques et ils ont été contraints de licencier du personnel. Bilan des courses, on a eu beaucoup de cadres qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi et sans un sou en poche. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres parce que même avec le Covid-19, on a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans la même situation. D'ailleurs, aux États-Unis, on a parlé de plus de 10 millions de personnes qui ont perdu leur emploi et qui se retrouvaient au chômage sans un sou. Dans ma personne, si en parallèle de ton boulot, tu n'as pas pu créer une autre source de revenus, comment est-ce que tu fais pour te retourner face à une situation pareille? Comment tu fais si tu as une femme et des enfants à nourrir? Voilà pourquoi je dis que quand tu dépends d'un salaire, pire encore quand tu travailles pour le privé, tu es très vulnérable. C'est pour ça que c'est important de toujours penser à demain, de penser à devenir indépendant financièrement. Parce que le salariat, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le salaire doit être utilisé pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. C'est vrai. Je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu vas décider de vouloir te lancer dans la quête de l'indépendance financière en montant tes business en général, en créant une autre source de revenus, ça va forcément marcher. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, ça ne va pas forcément marcher d'entrée de jeu. Mais le but, c'est d'entraîner ton cerveau à commencer à trouver les voies et moyens pour pouvoir générer une autre source de revenus. Tu n'es pas plus con qu'une autre personne, non. Tout c'est une question de mindset. Ça s'apprend. Et tu vas peut-être échouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça fait partie du processus. C'est l'expérience que tu acquiers au fil des échecs, ma personne. Parce que comme le dit Nelson Mandela, soit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et dis-toi que quand tu vas rater ton coup dans un business, c'est une expérience que tu acquiers. Et sache que personne n'acquiert de l'expérience sans passer à l'action. Et cette expérience te servira plus tard. Parce que le business a ceci de magique, c'est que tu peux perdre 99 fois, mais il suffit que tu gagnes une seule fois pour oublier toutes les fois que tu as perdu. Et nous, on a cette mauvaise perception de l'échec là chez ceux qui ont réussi dans la vie, c'est que on pense que ceux qui ont réussi dans la vie n'ont jamais échoué. Alors qu'ils échouent tous les jours. Mais c'est juste que ils échouent,
Et puis le jour qu'il gagne, il gagne gros. Et les médias font de ça un tapage. Et on a l'impression que toute leur vie, c'est que du succès alors qu'il n'en est rien. Quand on parle d'investissement, j'aimerais partager avec toi, ou du moins Ricardo Kanyama partage avec toi, 4 clés qu'il faut prendre en compte à chaque fois que tu voudras faire un investissement. Première clé, ton capital d'investissement, c'est d'abord et surtout ton épargne. Pourquoi? Parce que, ma belle chambre, si tu n'arrives pas à gérer l'argent que toi-même tu as, ce n'est pas l'argent que quelqu'un d'autre va te donner que tu pourras gérer. Donc, avoir cette capacité-là à pouvoir épargner son propre argent, ça te donne déjà une certaine discipline. Et c'est d'abord ton propre argent que tu dois pouvoir épargner. Et c'est quand les gens vont voir que tu réussis à faire quelque chose avec le peu d'argent que tu as, que les gens pourront te donner de l'argent pour faire de plus grandes choses. Parce que c'est quelqu'un qui est fidèle à de petites choses, on lui confiera des choses beaucoup plus grandes. Donc, en ce qui concerne l'investissement, le capital pour démarrer, c'est ton épargne. Deuxièmement, ma personne, quand il s'agit d'investissement, on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre. Je répète, quand il s'agit d'investissement, on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre, parce que quand on investit, il faut toujours garder à l'esprit que on peut perdre l'argent qu'on investit. Troisièmement, ma personne, quand tu veux faire un investissement, fais un investissement fractionné. Ça veut dire que si tu as 100 000 que tu veux investir, divise tes 100 000 même par 5 ou par 10 et fais une version minimaliste de ton projet. Tu as investi 10 000 et vois ce qui se passe. Si tu investis 10 000 sur 100 000 et que ça ne fonctionne pas, il reste 90 000 et investis encore 10 000. Tu vois, au bout d'un moment, tu vas accumuler suffisamment d'erreurs à tel point que tu vas voir ce qui ne va pas. Et au fur et à mesure, tu vas rectifier. C'est à tel point que quand tu vas arriver au 7e billet de 10 000, tu vas te rendre compte que là, tu commences à avancer. Et puis, quatrièmement, ce qui concerne les lois de l'investissement, c'est que lorsque tu épargnes ton argent, donc pendant que tu es en train d'épargner, en ce même moment, tu réfléchis déjà sur l'investissement que tu vas faire. Ne fais pas comme ceux-là qui font que ils épargnent, ils se contentent juste d'épargner sans jamais réfléchir sur ce dans quoi ils vont investir leur argent. Et c'est une fois qu'ils se retrouvent avec beaucoup d'argent, après ils se disent, bon, dans quoi j'investis? Non, ma personne, en investissant, réfléchis déjà à ce dans quoi tu vas mettre ton argent. On récapitule. 1. Ton capital d'investissement, c'est ton épargne. 2. Pendant que tu épargnes, réfléchis déjà sur le business dans lequel tu vas mettre ton argent. 3. En ce qui concerne le business, on investit une quantité d'argent qu'on peut se permettre de perdre. Et 4. Faire des investissements fractionnés et de plus en plus croissants. Ma personne, Ricardo Kanyama dans son livre met l'accent sur quelque chose de très 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 pertinent, c'est que quand il s'agit d'école, il y a deux types d'écoles. Une école qui forme à devenir employé et une école qui forme à devenir créateur d'emploi. L'école classique telle qu'on la connaît forme à devenir un employé. Tandis que l'école qu'on fait à la maison, c'est ça qui nous forme à devenir des créateurs d'emploi. Tu sais, ma personne, une expérience a montré que un enfant de pauvre et un enfant issu d'une famille riche, même s'ils font les mêmes études et que l'enfant issu d'une famille pauvre est même plus brillant à l'école que l'enfant issu d'une famille riche, eh bien, il y a plus de chances pour que l'enfant issu d'une famille pauvre finisse pauvre, tandis que l'enfant issu d'une famille riche finisse riche. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que les riches ont bien conscience du fait que l'éducation financière ne se fait pas à l'école, mais se fait au sein de la famille. Un riche n'envoie pas à l'école son enfant avec l'idée selon laquelle c'est l'école qui va rendre son enfant riche. Non. Le riche, quand il envoie son enfant à l'école, c'est pour que son enfant apprenne certaines compétences, qu'il acquiert certaines connaissances, certaines bases qu'il va utiliser pour pouvoir permettre à son enfant lui aussi de devenir riche plus tard. Et l'avantage que l'enfant du riche a, c'est quoi? C'est que
ses parents bénéficient déjà d'un réseau qui est établi. Donc, ils vont juste introduire leur enfant dans le réseau et leur enfant pourra aller beaucoup plus loin. L'inconvénient lorsque on est un enfant issu d'une famille pauvre, c'est quoi? C'est que on doit partir de zéro. On doit construire soi-même son réseau. Oui, mais c'est possible de naître d'une famille pauvre et de devenir riche. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'éduquer. Il faut prendre le temps de se former et ne pas compter sur l'école pour te rendre riche. Parce que le but de l'école n'a jamais été de vouloir te rendre riche. Ça, il faut que tu le comprennes. On n'apprend pas à devenir riche à l'école. L'école te forme à devenir un employé. Ceci dit, ma personne, si tu veux éviter que tes enfants commencent de zéro, eh bien, toi, tu devrais déjà commencer à arranger le terrain pour eux. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire que tu peux devenir un excellent employé, le meilleur employé que le monde ait connu. Mais tes enfants ne pourront jamais hériter de ton emploi. Par contre, si tu réussis à mettre en place un business qui réussit à faire vivre une famille de manière décente, si tu réussis à mettre en place un business qui réussit à te rendre indépendant financièrement, tes enfants pourront toujours hériter de ton business. Dans ma personne, si tu ne veux pas te battre pour ton indépendance financière à toi-même, bats-toi pour que tes enfants, eux, pour que ta descendance puisse avoir quelque chose pour les aider à devenir indépendants financièrement. C'est l'histoire d'un chien qui était réputé pour être le chien le plus rapide de son village. Donc un jour, pendant qu'il est avec ses autres amis, animaux comme lui, voilà, pour se vanter, pour se faire voir un peu, il voit un chat qui passe là en courant et il se dit « Bon, je vais rattraper ce chat pour le manger. » Et il se met à courir derrière le chat. Le chat se sent effrayé et sent que sa vie est en danger. Et le chat se met à courir encore plus vite que le chien. Donc au bout de quelques minutes de course, le chien est à bout de souffle et il s'arrête. Donc quand il retourne voir ses amis, ses amis se moquent de lui et disent « Tu n'es même pas capable de rattraper un chat et tu t'es dit être l'animal le plus rapide de ce village. Voilà un petit chat qui t'a dépassé. » Et donc là, le chien va dire quelque chose qui est très pertinent, c'est que lui, il courait juste pour le fun, alors que le chat, lui, il courait pour sauver sa peau. Là est toute la clé de cette histoire, ma personne. Parce que le jour où tu vas décider de te battre pour ton indépendance financière comme si ta vie en dépendait, tu vas te rendre compte que tu as des capacités impressionnantes. Ton cerveau, ça va devenir une machine de guerre parce que tu vas aller puiser les ressources au plus profond de toi-même. Malheureusement, très souvent, qu'est-ce que les gens font? C'est qu'ils se disent, bon, j'ai entendu parler de l'indépendance financière, ça m'a l'air d'être un sujet un peu intéressant. Bon, je vais essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben voilà, au moins je pourrais toujours me rabattre sur mon job, ma personne. Tout ce que tu fais en raisonnant comme ça, c'est créer un faille dans ton cerveau en te disant, si ça ne marche pas, ça, eh ben je serai autre chose. Non, ma personne, si tu veux avoir plus de chances de pouvoir atteindre un jour l'indépendance financière, si tu veux avoir plus de chances de devenir un jour quelqu'un de riche, eh bien, il faut que tu te mettes en quête de richesse comme si ta vie en dépendait. C'est ce que Ricardo Kanyama a fait. Parce que quand il a arrêté son boulot qui faisait la fierté de sa famille, un boulot dans lequel il gagnait 3000 dollars par mois, il s'est dit, maintenant que j'ai arrêté ce boulot-là, je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Parce que si je ne réussis pas, je vais être la risée de tout le monde. Tout le monde va me dire tout et n'importe quoi. Oh, tu avais un boulot, tu as arrêté pour machin, toi, tu te prenais pour qui? Bref, tu connais un peu le discours, quoi. Donc, il s'est dit que je n'ai pas d'autre choix que de m'en sortir. Et c'est depuis que moi aussi j'ai acquis ce mindset-là. Je t'avoue que dans ma tête,
j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à trouver des solutions. Depuis que je me suis mis dans la peau de quelqu'un, que je n'ai plus d'autre choix que de devenir indépendant financièrement. Parce qu'avec tout le tapage que je fais, si... même ma tante m'a déjà promis que si je ne suis pas riche, c'est qu'elle ne va pas me laisser. Donc je suis obligé de me battre parce qu'il y a même des fois, quand je n'ai pas envie de travailler sur mes projets, quand je pense à tout ce que j'ai déjà sacrifié, je me dis non, je n'ai pas le choix. Il faut que je réussisse. Et quand tu te mets dans ce mindset-là, ma personne, tu deviens inarrêtable. C'est l'histoire d'un enfant qui se rend au cirque. Une fois dans le cirque, l'enfant y est avec ses deux parents et il est intrigué par le fait que tous les animaux du cirque, les lions, les panthères, les léopards, sont enfermés dans une cage en fer. Sauf qu'il y a un éléphant énorme qui est attaché à un petit piquet avec une corde qu'il peut casser avec très peu d'effort. Donc l'enfant, interpellé par cette situation, demande à ses parents, mais comment ça se fait que cet éléphant ne s'enfuit pas? Du coup, les parents interpellés regardent, mais ne savent pas quoi répondre à leur fils. Ma personne, voici l'explication. En fait, l'éléphant en question, alors qu'il était encore un tout petit éléphant, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a attaché à la même corde, au même piquet. Sauf que comme il était tout petit, il n'avait pas suffisamment de force pour se détacher de ce piquet. Il a essayé, mais rien n'y faisait. Au bout d'un moment, il a cessé de se battre parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Avec le temps, il a grandi. Il est devenu un gros éléphant, super fort. Mais c'était ancré dans sa mémoire comme quoi il ne pouvait pas se détacher de ce piquet. Donc même devenu un gros éléphant, il n'essayait même plus de se détacher. Il n'essayait même plus de s'enfuir parce que dans sa tête, il se disait qu'il était incapable de se détacher. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui sont victimes justement de ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Il y en a beaucoup qui ont grandi dans une famille où leurs parents se sont battus pendant des années pour pouvoir joindre les deux bouts avec un boulot et ça n'a pas marché. Ils ont toujours vécu dans la précarité et ils se sont résiliés à se dire, bon, si mes parents que j'admire tant n'ont pas pu s'en sortir, à plus forte raison moi, ça ne sert à rien que je me batte. C'est ce qu'on appelle aussi quelque part le déterminisme social. Tu arrives dans des familles où le père est pauvre, la mère est pauvre, les enfants même pauvres. Personne ne sort la tête de l'eau. Pour la simple raison que les enfants se sont dit, bon, finalement, je crois que nous sommes tous condamnés à une vie de médiocrité, à une vie de pauvreté, donc ça ne sert à rien de se battre. Non, ma personne. Ne sois pas ce que Ricardo appelle un éléphant enchaîné de cirque. Non. Il faut que tu te battes pour ton indépendance financière. Ce n'est pas parce que on t'a pendant longtemps répété que tu ne pouvais pas. Ce n'est pas parce qu'on t'a pendant fait croire que tu étais incapable de devenir riche que forcément tu es incapable de devenir riche. Essaye des investissements. Ce n'est pas parce que tu as essayé d'investir dans un projet que ça n'a pas marché que forcément tu es un bon à rien, que ça ne marchera jamais. Non, ma personne. Quand tu investis pour la première fois, pourquoi ça doit marcher? Non. Tu as investi, ça n'a pas marché, essaye encore. Donc si j'ai une chose à te dire, c'est que lorsque tu vas t'engager dans la voie de l'indépendance financière, sache que tu échoueras. Mais ne te transforme pas en un éléphant enchaîné de cirque. Voilà ma personne, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes de tout ce dont j'ai pu te parler tout au long de cette vidéo, c'est que bats-toi pour ton indépendance financière et bats-toi comme si ta vie en dépendait. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour laisser quelque chose à ta descendance. Voilà ma personne, ainsi ça sert à cette vidéo. Si elle t'aura été utile, si elle t'aura apporté un plus, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons, à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications et n'hésite surtout pas
à nous rejoindre sur notre page Facebook parce que tous les matins je partage avec toi un contenu énorme et tu passes à côté de quelque chose de magnifique. Sur ce, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Cherchons là, dis donc, cherchons là, Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.